L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromédé, à Pakpa, à Boumekalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Infoline. ESAE Gbedjromédé, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa. Au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi. Au plus 229 52 88 44 44 Parakou. Au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence a un nom. À toutes et à tous, bonjour. L'expression miroir aux alouettes désigne métaphoriquement un piège, une illusion ou une tromperie. Quelque chose qui semble séduisant, mais qui s'avère finalement trompeur, malhonnête ou dangereux. La formule est une allégorie pour désigner les situations ou les promesses alléchantes qui cachent des conséquences nettement moins plaisantes, sinon totalement sinistres. En particulier, cette expression est employée pour décrire les stratagèmes des escrocs ou des bonimenteurs qui attirent leurs victimes avec des apparences flatteuses mais perfides. La formule puise ses origines dans la chasse aux alouettes. Pour capturer ces petits oiseaux migrateurs, les chasseurs utilisaient autrefois un dispositif appelé miroir aux alouettes. Ce leurre traditionnel se composait d'un pied dévissable planté dans le sol, surmonté d'une tête ornée de minuscules éclats de miroir, de verre, de métal ou de strass colorés. Certains modèles plus élaborés présentaient des ailes mobiles produisant des rotations horizontales, créant de ce fait un jeu de lumière attrayant. Chers amis internautes, c'est toute la définition de ce matin. Merci et à très bientôt.